Un premier ministre en botte au chevet des sinistrés de Marmande. La plaine de Coussant pense ses plaies après quatre jours de crue. Mais à présent, la décrue est là, bien plus rapide qu'attendue. Un peu plus tôt, Jean Castex arrive aux 10 de Marmande. 200 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour secourir la population. C'est une certaine reconnaissance et euh, euh, c'est, euh, je veux dire, euh, bénéfique et honorifique pour nous que le Premier ministre euh, vienne voir ce que les secours ont fait pendant quatre jours. Pendant 20 minutes, le Premier ministre s'entretiendra avec les maires des communes inondées. À sa sortie, une seule brève déclaration. Nous avons également évoqué avec les élus, d'une part, et pour l'ensemble des populations, la déclaration de catastrophe naturelle. Que nous allons instruire comme toujours avec une grande diligence. L'essentiel est là, reste d'autres questions en suspens. Déjà, on sait pertinemment que la facture risque d'être lourde, puisque ben, ce, ce sera sans doute plusieurs millions d'euros qui devront être affectés pour euh, la, la, remise, euh, la, la bonne remise des, des routes départementales. Plusieurs brèches également sont apparues sur les digues. Les digues, j'insiste, c'est un énorme budget, c'est une compétence qui a été transférée sans financement, sauf le droit de lever un impôt, et, et je, je pense que là, on arrive aux limites du système. À quelques centaines de mètres de là, une épaisse fumée se détache du ciel, noire, comme la colère des agriculteurs de la coordination rurale, furieux de n'avoir pu exposer directement au Premier ministre la raison de leur courroux. Chaque fois qu'il pleut, on a nos champs inondés. Ça, c'est plus possible parce qu'on ne peut pas entretenir. Si on, si on commence l'entretien d'un fossé ou d'un cours d'eau, on a l'OFB qui nous tombe dessus et c'est tribunal. Et ça, c'est plus supportable. L'OFB, l'Office français de la biodiversité. Une délégation sera finalement reçue par les équipes du Premier ministre. Insuffisant, selon le syndicat.